Cette conférence de presse, c'est pour annoncer des projets d'une ampleur différenciée, mais qui auront un impact sur le Biterrois et sur tout l'Hérault. Dans ces projets-là, nous avons déjà des équipements culturels sur Baïssan, avec la chapelle, avec le théâtre de verdure récemment aménagé à l'intérieur du domaine. Nous projetons de reconstruire un théâtre à la place du théâtre de toile de 450 à 500 places. À la place du théâtre de toile actuellement, un amphithéâtre de plein air de 900 places à 1000 places. Oui, les premiers travaux de voirie, de réhabilitation, de la cour intérieure, de tout ce qui est connexe, c'est de l'ordre d'un million d'euros. Ensuite, les deux théâtres, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros. Et sur la partie arrière, sur les 140 hectares qui appartiennent au syndicat mixte département Ville de Béziers, nous avons projeté, avec un bureau spécialisé qui est en train de faire les études, un parc à thème sur la thématique cinéma numérique. Et une boîte privée avec des associés américains nous a proposé, voilà, il y a plusieurs mois maintenant, de construire un parc à thème autour du cinéma sur le domaine de Baïssan. Une partie de ce domaine appartient à un syndicat mixte qui regroupe à la fois le département et la ville. Et donc depuis des mois maintenant, on travaille avec ces partenaires pour voir comment ce projet peut réellement prendre corps. Un certain nombre d'études ont été déjà menées, qui s'avèrent pour l'instant positives. Il y aura au total 20 mois d'études. Donc là, 6 mois sont déjà passés. Dans un peu plus d'un an, on devrait savoir si ce projet peut voir le jour, financièrement, s'il a les reins solides, s'il y a les partenaires et s'il y a la clientèle. On travaille avec le département, on est sur un territoire qui appartient au département et à la ville de Béziers, mais on peut, par nos compétences, participer à ce que on valorise notre économie et on se fera partenaire. Bien sûr, vous l'avez entendu dans la prudence, le but, c'est sur une zone qui est géostratégique, de travailler ensemble pour l'intérêt de l'économie biterroise et de son attractivité. Écoutez, selon nos partenaires privés, c'est plusieurs milliers d'emplois, des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais tout ça, on attend concrètement de savoir ce qu'il en est, si c'est simplement des promesses ou une réalité. C'est pour ça, étant très prudent dans ce dossier-là, on a décidé de ne pas engager d'argent public, mais demander à nos partenaires de faire toutes les études qui nous amènent à pouvoir juger sur pièce du sérieux du projet. Pour l'instant, tous les éléments sont au vert. On va voir ce qu'il en est dans les mois à venir. Oui, je crois qu'il faut toujours œuvrer autour de projets qui nous rassemblent. Et c'est là l'intérêt. Je parle toujours de travailler ensemble pour œuvrer pour ce territoire.